Bonjour, expérience lithographie. Aujourd'hui, nous allons vous donner un petit complément d'information sur l'engrenage d'un dessin. C'est un dessin d'Anaïs Pouzet, donc, étudiante à l'école des Beaux-Arts de Nantes. Ce dessin-là, on a eu du mal à l'enlever. Il était très fixé sur la pierre. Et donc, plutôt que de frotter au risque de l'abîmer, on va procéder, donc on l'a enlevé en partie, et on va procéder on va remonter ce dessin avec du noir à monter. Regommer la pierre et retenter l'enlevage. Donc là, je vais procéder. Vous voyez, là, si vous vous rapprochez un petit peu, vous voyez les zones noires, c'est des zones qu'on a commencé à les enlever, mais ils sont quand même restés fixés sur la pierre. Et pour imprimer, il faut qu'on enlève tout ce qui a servi à dessiner, c'est-à-dire tous les médiums qui a servi à déposer du gras. Il faudra les enlever et ne garder que l'image fantôme. Donc là, comme je n'ai pas réussi à tout retirer, je vais rajouter de noir à monter par-dessus le dessin. Et ensuite, je vais regommer finement et retirer à nouveau le dessin. Voilà. Alors, vous allez observer ce qui va se passer. Donc là, je vais garder la pierre humide. Voilà. Et avec un rouleau chargé de noir à monter, eh bien, je vais ancrer le dessin. L'encre se dépose sur les parties qui ont été retirées, donc les parties grasses contenues dans la pierre qui ont été retirées, et en même temps sur les parties qui ne sont pas parties, qui ne se sont pas retirées avec l'essence, hein, puisque le dessin, on avait tenté de le retirer à l'essence. Vous voyez, la charge regresse un peu le dessin. Le noir à monter, il va avoir une double fonction, il va se mélanger un peu à l'encre de dessin. Il va venir recharger les parties qui avaient été retirées avec l'essence. Vous voyez? Petit à petit, le noir vient se redéposer sur toutes les parties retirées. Voilà, je vais quand même passer un petit coup d'eau. Recharger à nouveau le rouleau. Voilà. Alors, je réitère l'opération. De façon à ce que mes noirs reviennent bien. Alors, c'est un grand dessin, c'est une grande pierre. Il faut y mettre une certaine énergie. Voilà, c'est presque bon. Vous voyez ici, il y avait une partie qui était assez noircie. Elle est encore un petit peu creuse. Hein, l'encre ne s'est pas encore complètement redéposée sur les parties enlevées. Donc je vais continuer à charger un petit peu de façon à ce que l'encre de noir à monter couvre l'ensemble des détails du dessin. Et je le redis, sur les parties qui n'étaient pas enlevées, et en même temps sur les parties qu'on avait réussi à enlever. Voilà. Donc, là, on retrouve une uniformité. Voilà. Là, le dessin, il est à nouveau protégé sur son ensemble, parce que on ne regomme jamais sur un dessin ouvert. Ça, il faut absolument respecter cette consigne, parce qu'autrement, on risque d'abîmer le dessin. La gomme rentrant dans les parties dessinées, on risque de ne pas réussir à faire remonter le dessin à ces endroits-là. Donc, on va reprendre ce que vous ne voyez pas sur la vidéo, mais c'est-à-dire reprendre un gommage fin, refaire un gommage fin sur l'ensemble du dessin, de la pierre. Donc, j'étale avec mon éponge la gomme. Je l'affine le plus possible. Donc je répartis sur l'ensemble de la pierre. Je couvre toute la pierre et tout le dessin avec une fine couche de gomme. Voilà. Avec un bouchon de papier, avec du papier, je vais affiner mon gommage.
Donc ça, on l'a déjà montré sur d'autres vidéos. Ce que vous pouvez retrouver sur le site Expérience Photographie. Voilà, donc j'affine le plus possible là, pour éviter qu'il y ait des pâtes de gomme qui restent sur les parties dessinées. Voilà. Donc là, j'ai couvert de gomme arabique l'ensemble de la pile. Je sèche ma gomme. Donc là, on va avoir un petit bruit de fond sur la vidéo parce que c'est l'aspiration de l'atelier qui tourne. Donc, j'espère qu'on va quand même entendre ce qui se raconte. Voilà, donc là, c'est quasiment sec. Voilà, sachant que quand on aura enlevé le dessin, il s'agira de remplacer les parties dessinées par de l'encre d'imprimé, hein, qu'on a préparé. Donc c'est le but de l'enlevage du dessin, c'est de remplacer le dessin original par de l'encre d'imprimé. Et on passe par cette étape, là, du noir à monter, ce qui n'était pas forcément nécessaire. Mais là, en l'occurrence, vu la complexité du retrait, c'est une étape supplémentaire, mais qui va nous aider à protéger notre dessin et à bien retirer le dessin. Là, tout à l'heure, vous n'avez pas vu cette étape-là, donc on nous remettons de l'essence. Voilà. Et là, on va maintenant essayer de retirer à nouveau le dessin. Et normalement, il va se retirer plus facilement. Voilà. Du coup, on a protégé, vous voyez, là, cette partie-là qui a du mal un petit peu à se retirer. Se retire beaucoup plus facilement depuis qu'on a mis du noir à monter. Voilà. Voilà, cette étape supplémentaire évite de trop frotter le dessin au risque de faire passer du gras sur la partie non dessinée. Voilà. Alors, sachant que là, c'est une pierre, un dessin qui va être imprimé avec de l'encre noire, bon, même s'il y a des petits restes de noir sur la pierre, c'est pas non plus très très grave. Voilà, c'est quand même un dessin qui a séjourné longtemps sur la pierre et qui est très très bien fixé. Hein. Mais ça, c'est pas plus mal. Voilà, vous voyez? Voilà. Bon, c'est encore un petit peu marqué. On pourrait réitérer cette opération au passage au noir à monter. On pourrait le faire deux fois hein, pour vraiment aller jusqu'à l'image fantôme, on va dire. Mais là, on est quand même bon, très proche de ce qu'on essaie, ce qu'on veut. Voilà, quand même très difficile à retirer. Hein. Voilà. Alors, il y a encore des zones qui sont presque des embûts. Et sur lesquels j'insiste pour éviter qu'on ait des charges d'encre trop importantes sur ces endroits-là. Voilà, bah, vous voyez, il faudrait presque le refaire une deuxième fois parce que c'est pas encore parfait. Le dessin est vraiment très très fixé sur la pierre. Bon, on va quand même essayer comme ça, je pense que ça va le faire, de toute façon on aura bien à nettoyer la pierre une fois, à nettoyer le dessin, donc voilà. Donc rendu à cette étape-là, je viens rincer copieusement ma pierre, je retire le gommage fin, et je retrouve une pierre ouverte sur les parties non dessinées, sur les parties dessinées. Alors là, je vais la recharger en encre pour que vous voyez l'image remontée. Anaïs, tu vas pouvoir même prendre t'éloigner un peu pour qu'on voit bien ton dessin.
là vraiment je mets de l'eau copieusement. Voilà, pour bien retirer la gomme, retirer l'essence, retirer les souillures d'encre qui séjournaient sur le gomme à chemin, puisque le but du gomme à chemin, c'est de protéger la pierre des souillures d'encre, la partie non dessinée. Et donc, l'encre qui se dépose quand même, à l'enlevage, se dépose quand même sur la gomme arabique. Et là, vous voyez que la gomme arabique se retirant de la pierre, eh bien, les souillures d'encre viennent se retirer avec la gomme. Se retirer avec la gomme. Voilà. Donc là, je vais prendre le noir d'imprimé. Et je vais recharger le dessin. Et là, il va remonter. Voilà, là, on voit bien le dessin qui remonte, les parties noires à enlever qui remontent. Voilà, maintenant il s'agit d'être bien régulier. Qu'est-ce que j'ai ? Voilà. Donc là, le dessin remonte très très bien, il n'y a pas vraiment, il n'y a pas de souci. Il faut garder la pierre humide. Voilà. Bon, pas jamais trop d'eau, humide mais pas mouillé, pas des flaques parce que ça détache un peu le pigment de l'encre. Et voilà, et je réinsiste. Je viendrai croiser le rouleau pour que le passage d'encre soit uniforme. Pour l'instant, voilà. Voilà, un dessin qui remonte très bien, pas de problème. Voilà. Alors on a un dessin qui est quasiment prêt à être imprimé. Voilà. Voilà Naïs, merci.